Bonjour YouTube, ici Largo pour une nouvelle aventure sur ce fantastique jeu de cartes qui est Horreur Arkham LCG. Aujourd'hui, nous allons jouer le scénario numéro 4 en solo par-delà les limites. Le scénario numéro 4 de la civilisation oubliée. Toujours avec Séphina Rousseau, l'artiste peintre de la classe Truand. La mise en place, comme d'habitude, a été faite. Donc là, nous sommes en début d'après-midi. Ça tombe bien parce que ce scénario-là se déroule de jour. Donc autant que ce soit le plus fluff possible. Alors, au niveau de la mise en place, eh bien, sauf erreur, ce sera la ville de Mexico. Je vais lire l'introduction. Un petit mot sur les changements du deck avant de lire l'introduction. J'avais 6 points. Je n'ai acheté que Charisme pour pouvoir peut-être poser à la fois Alejandro et Ishtaka en jeu, puisque ce sont deux cartes que j'ai obtenues à l'issue du scénario précédent. Donc nous avons Xochimilco, Koya. Pas facile à prononcer, Coyoacán, Zocalo, cathédrale métropolitaine, les ruines du temple et le parc de Chapultepec, pour ce qui est lié des lieux de départ, et les investigateurs peuvent démarrer au choix dans Coyoacán ou Zocalo. Nous avons un deck qui ressemble beaucoup à un deck d'exploration, mais on va savoir un petit peu plus tout à l'heure à la lecture du scénario. Le deck rencontré pas préparé, je vais pouvoir attaquer avec l'introduction de Par-delà les limites. Les rayons chauds et éclatants du soleil tapent sur le pare-brise de votre voiture tandis que vous roulez sur les routes poussiéreuses du sud du Texas, juste après San Antonio. Cela fait plusieurs jours que vous avez quitté Arkham en direction de Mexico. Vous pensez obtenir les réponses de la part d'associés d'Alejandro, ou mieux, de ses rivaux à l'Académie. Vos récentes investigations à Arkham ont mis au jour de nombreuses choses, mais la piste est vite devenue froide. La fraternité que vous avez découverte à Arkham a totalement disparu de la ville. Ses membres n'ont laissé que peu d'informations derrière eux quant à la suite de leur plan, si ce n'est le nom Nexus de Enkai. Un lieu de pouvoir qu'Ishtaka pense être l'objectif final de la fraternité. Aussi énigmatique que d'ordinaire, la guerrière Esli est assise sur le siège passager à côté de vous. Elle est tendue comme un ressort et le siège en cuir de la Ford ne lui offre que peu de confort. Lisez les sections suivantes. Vérifiez votre carnet de campagne si les investigateurs ont trouvé la relique perdue. L'investigateur principal lit bourdement de mystique, mais ce n'est pas le cas. Nous allons lire préoccupations grandissantes. La perte de la relique des Esli pèse lourdement sur votre morale. Sa valeur dépasse clairement les simples préoccupations académiques. Elle détient un pouvoir que vous commencez tout juste à appréhender. Vous êtes certain que cette fraternité de l'ombre est responsable de cette disparition, mais dans quel but? Retirez de la partie la relique des âges, anticipez l'avenir, ça a déjà été fait. Vérifiez votre carnet de campagne si les investigateurs ont tissé un lien avec Ishtaka, c'est le cas. Nous lisons la quête d'Ishtaka. Si Ishtaka dans les ténèbres, voyage silencieux. Sommes-nous bientôt arrivés? Demande Ishtaka pour la 100e fois depuis votre départ d'Arkham. Nous devons atteindre l'Anahuac le plus vite possible. Plus nous perdons de temps, plus la fraternité se rapproche du Nexus. Vous reconnaissez le nom aztèque de la vallée de Mexico et informez Ishtaka que vous traverserez la frontière avec le Mexique dans moins d'une heure. Elle croise les bras et serre les dents. Vous ne subissez aucun effet néfaste. Vérifiez votre carnet de campagne si les investigateurs ont secouru Alejandro. L'investigateur principal lit les pensées d'Alejandro. C'est le cas. Pendant tout le trajet, Alejandro garde le nez plongé dans son journal. Le bruit du crayon sur le papier sonne comme un perpétuel rappel de sa présence. Il reste recroquevillé à l'arrière de la voiture, le journal sur les genoux et les sourcils froncés. Cette fraternité est le cadet de nos soucis, dit-il d'un ton pessimiste. J'ai tenté de décrypter les glyphes qui ornent l'artefact. Elles sont à l'évidence ni aztèques, ni mayas, ni originaires d'aucune civilisation précolombienne.
Je pense que cette relique vient d'ailleurs, d'un lieu auquel elle a été arrachée. Vous n'êtes pas d'accord, mademoiselle Ishtaka? L'expression déjà sévère d'Ishtaka s'assombrit encore et ses yeux s'étrécissent. Elle ne se fatigue même pas à se tourner vers les gendrons avant de lui répondre. Sa place est dans un endroit où des savants indiscrets ne peuvent pas abuser de son pouvoir, répond-elle à ton froid en mettant ainsi fin à la discussion. Traverser la frontière du Mexique s'avère bien moins stressant que prévu grâce au contact d'Alejandro dans ce pays. Vous passez la douane en faisant comme si de rien n'était et vous vous dirigez vers Mexico. Chaque investigateur débute ce scénario avec deux ressources supplémentaires. Ça, c'est super intéressant. Je vais immédiatement prendre mes ressources. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4 et 3. 7 ressources pour démarrer cette partie. C'est très, très bien. Ensuite, je vérifie mon équipement. Chaque investigateur doit rayer une unité d'essence, ce que je fais. Et je ne tombe pas en panne sèche. Alors, eh bien, on va lire la suite. Le temps de remettre le petit trépied. Comme d'habitude, vous pouvez faire avance rapide si vous connaissez déjà cette assez longue introduction. Une fois à Mexico, vous déchantez de ne trouver que peu d'informations sur la fraternité ou le Nexus. Vous écumez les bibliothèques et universités, mais faites chou blanc à chaque fois. Vous ne parvenez à trouver aucun des anciens collègues d'Alejandro dans la ville. Et aucun de ses détracteurs n'accepte de vous parler, à l'exception d'une femme nommée Padma Amrita, qui a étudié le travail d'Alejandro avant qu'il ne vienne à Arkham. Elle accepte de vous rencontrer cette nuit dans un bar branché au sud de la ville. Ishtaka se tient à distance et observe votre nouvelle source d'information en silence. Padma en sait beaucoup sur les recherches d'Alejandro. Elle déclare même avoir entendu parler du Nexus de Enkai, bien qu'elle refuse de vous révéler comment y accéder. « C'est une quête impossible, vous explique-t-elle. Il n'y a rien à en tirer, ce n'est qu'un mythe. Croyez-moi, beaucoup l'ont cherché, mais personne ne l'a jamais trouvé. » Vous répliquez que les Esli n'étaient pas un mythe. Et elle vous répond avec un sourire charmant. « Peut-être pas, mais cette histoire d'Esli encore en vie, restée cachée pendant des siècles, elle rit de bon cœur. « Pures idioties. Allons, vous n'espérez pas que de vrais savants accordent foi à de tels Esli, n'est-ce pas ?» Vous posez les yeux sur Ishtaka, qui, bras croisés, ne perd pas une miette de la conversation. Padma laisse vagabonder son regard, un soupçon de sourire aux lèvres. « Dans tous les cas, je suis navré, mais je n'ai aucune information à vous donner. Seul un mot, un saut, pousserait ses recherches plus avant. Bonne nuit. » Padma vous quitte sur un autre sourire ravageur, laissant voguer un doux parfum dans son sillage. Sitôt qu'elle est hors de vue, Ishtaka s'assoit à vos côtés et vous discutez de votre prochaine stratégie. Après une semaine de recherche infructueuse, son impatience est palpable. Vous lui parlez de plusieurs autres personnes que vous pourriez essayer de contacter, mais son esprit est ailleurs. Quand vous rentrez à votre hôtel, elle s'enferme immédiatement dans sa chambre afin de se préparer pour le lendemain. Vous vous installez pour dormir et sombrez bien vite dans un sommeil sans rêve. Dans un coin recoulé de votre conscience, vous pouvez cependant entendre Ishtaka réciter une incantation cryptique. C'est un petit peu suspect. Donc nous avons placé les lieux, donc parfois des lieux vont être remplacés dans cette partie, dans ce scénario. Donc il suffira de placer tous les jetons investigateurs, fatalité ou indice sur le nouveau lieu, c'est assez simple. Alors avant de démarrer cette partie, un petit mot sur la vidéo que je viens de visionner. C'est le premier scénario des attrapeurs de rêves, je ne sais pas, j'ai un doute sur le nom de la campagne. Bon, les dévoreurs de rêves, oui. Sur la chaîne FFG, donc si vous souhaitez visionner le premier scénario des dévoreurs de rêves, donc la prochaine extension de luxe qui va sortir, le prochain cycle, eh bien, vous pouvez le faire si vous n'avez pas peur des spoilers sur la chaîne FFG. Alors c'est en anglais, moi j'ai un anglais assez faible, même avec les sous-titres, j'ai un petit peu de mal à comprendre ce qu'il se dit. Mais vous, c'est intéressant si vous parlez anglais, puis vous pouvez voir Matt Newman, le concepteur du jeu, qui est là, qui fait partie des trois joueurs qui sont filmés. Donc, à propos de cette vidéo, donc ils ont filmé une partie de A à Z, donc avec les moyens de FFG, donc vous avez deux caméras.
même trois avec la caméra déportée pour les cartes, eh bien, je trouve que je dirais le fait de filmer une caméra à l'épaule comme je l'ai fait, hein, avec le portable dans les mains, bien que ça immobilise une main, reste presque la meilleure solution, hein, et de faire passer les cartes devant la caméra. Je trouve ça plus lisible que la vidéo de FFG qui est prise un petit peu de loin et on a un petit peu de mal à suivre. Et donc la meilleure solution, c'est pas une solution parfaite, mais je trouve pour l'instant que la caméra à l'épaule, avec un visionnage de chaque carte dans le champ de la caméra, mais en fait, pour l'instant, me paraît à la fois le moyen le plus simple et puis, bah, somme toute, le plus efficace. Mais enfin, vous ferez une idée par vous-même à la lecture de la vidéo de FFG. On va pouvoir démarrer cette partie. Je vais poursuivre avec eh bien, la grille du scénario. Donc, part de la limite en standard, jeton crâne moins 1. Moins 3 à la place si vous êtes dans un lieu antique. Donc les lieux antiques, ce sont les lieux qui sont dans ce paquet et qui vont venir progressivement remplacer tous les lieux de la ville de Mexico. Jeton cultiste, révélé à notre pion en cas d'échec, placez une fatalité sur un ennemi cultiste. Tablette, révélé à notre pion en cas d'échec, s'il y a un ennemi serpent dans votre lieu, il vous attaque. Et enfin, chose ancienne, moins 4, en cas d'échec, placez un indice pris dans la réserve de pion sur le lieu antique le plus proche. Alors, on va démarrer avec l'intrigue. Les limites brisées. Quand vous vous réveillez, Ishtaka est déjà levé et est en train d'enfiler son armure traditionnelle, de charger son arc sur son dos et de glisser une longue lame à sa ceinture. Quelque chose cloche, déclare-t-elle d'un ton énigmatique. Je voudrais juste voir à travers les limites. Ses yeux sont injectés de sang et son visage a la pâleur d'un fantôme. Vous la soupçonnez de ne pas avoir fermé l'œil de la nuit. Peu importe, il est temps pour vous de contempler le sort qui attend l'humanité si nous échouons. Ah, c'est inquiétant, ça. Franchir le seuil pour l'acte. En quittant l'hôtel, vous réalisez que le paysage de la ville a été altéré. Des éclairs argentés zèbrent les cieux de la terre grosse. Et la terre gronde sous vos pieds. De monstrueuses entités tentaculaires flottent juste sous les nuages. Que se passe-t-il? Criez-vous à Ishtaka par-dessus le rugissement du vent. Quel est cet endroit? Un futur, répond-elle énigmatiquement. Objectif, après que le premier lieu technoclitant entre en jeu suite à une exploration infructueuse, avancer. Bien, donc les lieux technoclitants, je suppose que ce sont les lieux antiques qui se trouve dans ce deck. Donc j'ai déjà joué récemment une fois le scénario en duo avec Mickaël récemment, donc il est un petit peu frais. Il va me rester qu'à tirer mon deck. Donc, je vais remélanger. Donc, je rappelle qu'Alejandro et Ishtaka sont avec moi dans le deck. Technoclican, c'est l'ancien nom de Mexico, ce que j'ignorais. Technoclican, ça parle Mexico un petit peu moins. J'ignorais que c'était les mêmes villes, en fait. On en apprend tous les jours. Voilà, je pense que c'est correctement mélangé. Allez, encore un petit. Bon, je ne mélange pas autant que Shep, mais presque. C'est vrai qu'on devient rapidement superstitieux à jouer à ce jeu. Donc pour les sorties des Dévoreurs de rêves, la dernière date annoncée, c'est le 27 septembre, juste pour info. Voilà, mais concentrons-nous sur par-delà les limites. Et je suis très content de démarrer avec cette ressource. Ça va me faire beaucoup de bien, parce que même si c'est un truand, eh bien je manque toujours un petit peu de ressources au démarrage. Donc on est prêt, eh bien je vais tirer les 13 cartes de mon deck. Le journal de l'expédition. Je ne sais pas si ça va être utile dans ce scénario. J'ai un léger doute, puisqu'il n'y a pas d'action exploration. Ensuite, amnésie, je la mets de côté.
Éviter de justesse, les bougies rituelles que moi j'apprécie. Regardez ça. Furtivité. Alors, je ne me suis pas tellement servi de furtivité pour l'instant, qui est une nouvelle carte. Donc, assez pratique pour échapper. Disons pour se désengager, mais on ne l'incline pas, donc c'est quand même moins pratique. Flétrissement. Loup solitaire. Ma deuxième faiblesse. Attaque par surprise. Une petite faveur, carte qui ne m'a pas servi pour l'instant non plus. Les outils de crochetage, alors là j'apprécie beaucoup. Je suis à 10. Un sort de protection. Une nouvelle bougie rituelle. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et pour finir, une attaque par derrière. Donc voilà ma main de 13 cartes et je vais, comme d'habitude, mettre de côté les événements afin de les mettre sous Séphina. Alors, événements, événements, soutien, événements, événements, soutien, 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 compétences. Soutien et événement. Donc j'ai combien de cartes événement? 1, 2, 3, 4, 5. Ben, j'en ai 5. Donc je vais mettre les 5. Donc événement, événement. Voilà, donc ce sont bien des événements. Donc on va les mettre sous Séphina. Comme ceci. Donc je vais baisser un petit peu la caméra qui est un petit peu haute. Voilà. J'essaie de les laisser bien en vue parce qu'on a peut avoir tendance à les oublier, bien sûr. Et donc voici ma main de départ, journal de l'expédition, bougie rituelle, outil de crochetage, loup solitaire, furtivité, flétrissement. Regardez ça. Donc normalement ça me fait 8 cartes. Oui, c'est bien ça. Alors, on va les mettre de côté comme d'habitude. Voici. Et on va pouvoir prendre connaissance du premier lieu. Donc, je mélange mes deux faiblesses pour ne pas oublier de pouvoir les tirer. Il y a un léger fond sonore en fait, j'ai pu me débrouiller pour mettre l'ambiance sonore dans la pièce d'à côté. Je préfère jouer avec un fond sonore personnellement. Ensuite, eh bien, je prends connaissance, j'ai choisi Koyurakan. Effectivement, il y a quelque chose qui semble sortir de terre ou je ne sais quoi. Donc, c'est un lieu mexico et contemporain. Bien qu'elle n'ait toujours pas fait partie intégrante de Mexico, Coyoacán est depuis ses débuts un lieu historique par ses étroites rues pavées et ses plazas. Le sol tremble tandis que vous marchez dans l'une des nombreuses allées du village et vous soupçonnez qu'il y a de la vie sous la surface. Alors. Koyaakan, donc 2 de valeur occulte et aucun indice ici. Pour une action, subissez un dégât ou une horreur. Explorez, piochez la carte du dessus du deck exploration. Si c'est un lieu avec un symbole identique dans le coin en haut à gauche, placez-le sur ce lieu et le remplace. Alors, il faut que je subisse un dégât ou une horreur. Ben, c'est pas trop méchant, je trouve. Ce qui me fait penser que je n'ai pas pris mes 3 traumatismes mentaux. Voici.
Et on va pouvoir attaquer avec une première phase d'investigation. Donc il y a bien de l'exploration sur ce scénario-là. Et donc je pense que ça va m'être quand même assez utile pour économiser des actions. Donc pour deux ressources, je vais jouer journal de l'expédition. Une ressource. Bougie rituelle et trois ressources, outils de crochetage. Ce qui me fait un total de six ressources, 3 et 6. Et grâce au journal de l'expédition, je peux faire une action supplémentaire lors de mon tour qui ne peut être utilisée que pour explorer. Donc je vais pouvoir faire l'action explorer de Koyarakan. Donc je tire des cartes et je regarde si j'ai le même symbole. Canot, c'est pas le même symbole. Templo Mayor non plus. Temple de Ténoclitan non plus. Ah, ça y est, une faiblesse. Une traîtrise, je veux dire. C'est un sortilège. Déstabilisation temporelle. Il nous arrive des bricoles. Plus les fils sont tirés, plus la trame se dévoile. Et révélation, effectuer un test de volonté à 1. La difficulté de ce test augmente de plus 1 pour chaque lieu antique en jeu. En cas d'échec, subissez un dégât et une horreur et mélangez déstabilisation temporelle dans le deck exploration. Aïe. Alors, je la mets de côté pour l'instant, donc. Il n'y a aucun lieu antique en jeu, donc c'est un test de volonté à 1 et j'ai 4 en volonté. J'ai eu temps de mettre les outils de crochetage, ça a été une bêtise. Eh bien, que ceux qui ne font rien, de toute façon, qui se trompent pas. Je pense que j'aurais dû mettre le solitaire en premier, bien sûr. Bon, c'est pas grave. Alors, premier test à 1. Zéro, c'est réussi. Alors, je remets la carte. Cette fois-ci, par contre, dans la défausse. Et je remélange. Fin de première phase d'investigation et ensuite on va. Il n'y a pas d'ennemis en jeu, donc on va faire une première phase d'entretien. Deuxième flétrissement. Alors une fatalité, donc on va déplacer tout ça ici et une première carte rencontre. Pris en filature. S'il n'y a pas d'ennemi cultiste en jeu, subissez une horreur et pris en filature, gagne renfort. Je subis donc une horreur. Ben ça, on connaît. Déstabilisation temporelle. Donc je refais le même test à 1 toujours. Plus 1. C'est réussi. Pas de soucis. Alors, j'ai oublié ma ressource. Donc, première action, je vais jouer loup solitaire pour 1. Deuxième action, pour l'instant c'est une action gratuite, je vais explorer. Canot, c'est pas bon. Templo Mayor, c'est pas bon. Bois sacré, là c'est bon.
forcé, après l'entrée en jeu des bois sacrés, chaque investigateur dans ce jeu, dans ce lieu, défausse les 10 cartes du dessus de son deck. Mais c'est monstrueux. Ensuite, pour une action, si vous n'avez plus de cartes dans votre deck, découvrez tous les indices dans les bois sacrés. Ah oui, mais ça, c'est super dur. Hein. Donc, je remplace ce lieu. Donc, il peut y avoir des changements dans les interconnexions. C'est un petit peu la difficulté de ce scénario, si vous voulez. Donc là, je suis toujours relié à Xomichiko. Et je suis relié au parc de Chapacultei. Donc ça, c'est bon. Par contre, ici, on va changer le sens comme ceci, puisque l'inverse n'est plus vrai. Donc un indice ici. Et je défausse les 10 cartes du dessus de mon deck. Alors, 1. J'espère ne pas tomber sur mes alliés, ça serait le pire. 2, 3, 4, 5, ça c'est bien, c'est très très bien. Alejandro, 6, 7, 8, 9 et 10. Bon, il me reste l'essentiel, c'est Ishtaka, mais quand même. Alors, je vais avancer l'acte. Puisque après que le premier lieu Technokitan entre en jeu suite à une exploration fructueuse, avancée, c'est le cas, c'est un lieu Technokitan. Au loin, la lumière est aspirée par une large fissure dans le sol. En vous approchant, vous constatez que ce gouffre est tout sauf naturel. En bas, vous voyez le ciel comme si vous regardiez un reflet des nuages au-dessus. Des nuées de fumée grise émergent de l'abîme, lui donnant une odeur douce amère familière. Vous sautez et résistez à la nausée qui vous assaille tandis que le monde se renverse. Quand vous ouvrez les yeux, vous vous trouvez ailleurs, pas quelque part, plutôt quelque camp. L'investigateur qui vient de mettre en jeu un lieu technoquittant suite à une exploration fructueuse doit effectuer un test de volonté à 4. En cas d'échec, il doit chercher une faiblesse de base folie ou blessure dans la collection et la mélanger dans son deck. Alors, petite précision justement sur cette carte, il y a un petit errata sur cette carte. Quand on cherche une faiblesse de base, on doit la choisir, mais il y a un oubli de traduction. On doit choisir au hasard dans la collection et la mélanger dans son deck. Donc là, c'est un petit oubli que j'ai repéré récemment. Alors, donc je fais un test à 4 et moi j'ai 4. Donc là, c'est un test à ne pas louper. Donc je vais jouer bougie rituelle pour plus 1 et regarder ça pour plus 1 et je vais parier une ressource là-dessus et je crâne. Donc une ressource, ce qui me donne plus 2, ce qui m'amène à 6. 6 contre 4. Moins 3, et bien c'est raté de peu malheureusement. Et oui, c'est bien ça, c'est raté. Donc je vais chercher mes faiblesses qui sont là-bas. Et donc ça sera une folie ou une blessure. Folie. 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 Folie, blessure, folie, folie, folie. Il y en a beaucoup les folies, hein. Folie, folie, folie. Et c'est tout. Alors, voyons ce qu'on va tirer. On va prendre la carte du dessus. Eh bien, ça sera une nouvelle amnésie. Donc ça, c'est fâcheux parce que j'en ai déjà une. Et donc, je la mélange dans mon deck.
deux amnésies dans le deck, c'est énorme. J'ai intérêt, dans tous les scénarios que je joue, à dépenser assez rapidement mes cartes. J'en ai peur. Voilà, donc ça c'est fait. Je défausse la carte, le jeton et je continue. Passé et présent. Est-ce la réalité ou une vision? Dans les deux cas, les secrets des anciens peuvent vous donner la clé pour trouver le nexus de Enkai. Objectif, trouver un chemin vers le nexus en découvrant tous les indices sur autant de lieux technoquittants que possible avant d'être à court de temps. S'il y a 7 lieux technoquittants sans indice sur eux en jeu, avancez. Ok, je vais reprendre le cours de la partie, donc il me reste deux actions à jouer. Eh bien, première action, je vais je défausse la ressource que j'avais jouée. Je les rate souvent moi, mais regardez ça, c'est quand même dommage. Alors, j'enquête pour l'instant. J'ai 4 plus 2 d'intelligence, 4 d'agilité plus 2 d'intelligence, puisque j'utilise outil de crochetage. Je l'incline et je peux enquêter en ajoutant mon agilité avec l'intelligence, donc ce qui me donne 6 contre 4. Ça va certainement me coûter une provision d'outil de crochetage. Jetons choses anciennes, c'est moins 4. Aïe, alors ça c'est pas bon pour moi. En cas d'échec, placez un indice pris dans la réserve de pions sur le lieu antique le plus proche. Alors, ça faisait moins 4, ça faisait donc moins 3. Grâce aux bougies rituelles, néanmoins, c'est quand même loupé de peu. C'est dommage. C'est dommage. Allez, un indice que je rajoute ici. Alors, il me reste une action. Je vais tirer une carte. Suggestion à jouer. Donc, ouais, à jouer. Face des ennemis, on n'en a pas. Donc, je vais remélanger ça avant d'oublier. Alors, entretien, je redresse. Je prends une carte. Ishtaka et une ressource. Ensuite, une fatalité et une carte rencontre. Mot de pouvoir. Mettez en jeu mot de pouvoir dans votre zone menace. S'il y a un ou plusieurs ennemis dans votre lieu avec de la fatalité sur eux, vous ne pouvez ni infliger de dégâts à ces ennemis, ni découvrir l'indice dans votre lieu. Pour deux actions, défaussez mot de pouvoir. Ok, trois actions. Loup solitaire. Donc pour deux actions, je défausse mot de pouvoir. Et une action, je me déplace vers la place de Chapultepec. L'un des plus grands parcs de la ville. Le bosque de Chapultepec est un magnifique espace vert surplombant le Mexico. Il est bâti sur ce qui fut, il y a des siècles, une forêt sacrée. Un de valeur occulte. Forcé, après avoir échoué un test de volonté pendant que vous êtes dans le parc de Chapultepec, subissez une horreur. Et l'action explorée, effectuez un test de volonté à 3, encadrez ici de piocher la carte du dessus du deck d'exploration, c'est un lieu symbole identique. Dans le coin en haut à gauche, place les lieux sur ce lieu et les remplace. Donc, il me reste une action. Il ne me reste pas d'action, mais
Avec le journal d'exploration, je peux faire je peux faire un test d'exploration. Donc à 4, je le fais à 4. Est-ce que je tente le coup? Allez, 4 contre 3, je ne joue pas de carte. 4 contre 3, je pourrais jouer Ishtaka, je voulais absolument la garder aux suggestions que je vais absolument garder aussi. Donc 4 contre 3. Jetons cultiste, révéler un autre pion KO. Plus 1, c'est réussi. Donc je peux faire mon exploration. Temple du Technoclitan, ce n'est pas bon. Colline de Chapultepec, eh bien c'est le même signe, donc c'est bon. Très jolie illustration sous un ciel bleu. Après l'entrée en jeu de la colline de Chapultepec, chaque investigateur dans ce lieu défausse deux cartes prises au hasard dans sa main. Pour une action, défaussez votre main d'au moins trois cartes, découvrez deux indices dans ce lieu, limite collective d'une fois par round. Bien. Je n'ai plus l'action. Donc je vais devoir défausser deux cartes prises au hasard dans ma main. Donc j'espère ne pas tomber sur Ishtaka. Je vais prendre les deux cartes du dessus. Première carte, flétrissement, c'est le moins grave parce que j'en avais deux. Et la deuxième carte, un deuxième flétrissement, mais du coup je n'ai plus de flétrissement, je n'ai plus de solution de combat. Voilà, et eh bien on va passer à la phase des ennemis, on n'en a pas. Je remélange ce lieu. Dans la pile d'exploration et je place deux indices ici. Alors, phase d'entretien. Je n'ai rien à redresser, donc je tire une carte. Léo et une ressource. Ensuite, une fatalité et une carte rencontre. Aïe. Main de la fraternité. Génération n'importe quel lieu vide. Forcé, après que le dernier indice d'un lieu antique a été découvert, si la main de fraternité est redressée, placez une fatalité sur la main de la fraternité. Tant que la main de la fraternité est redressée, les capacités action et réaction sur son lieu et sur les lieux connexes ne peuvent pas être déclenchées. Aïe. Alors, allez, je vais le mettre ici. Et je vais jouer mes actions. Donc loup solitaire. Alors si je veux les deux indices d'un coup, il faut que je défausse trois cartes. C'est ce que je vais faire. Donc pour une action, je défausse Léo, suggestion et furtivité, et j'ai le droit de prendre deux indices.
Donc il n'y a plus d'indice sur le lieu. Je dois donc rajouter une fatalité sur la main de la fraternité. Donc ça, c'était ma première action. Ma deuxième action, je joue Ishtaka pour 4. Troisième action, je me déplace ici. À jouer. Face des ennemis, donc lui n'est pas chasseur. Je vérifie, c'est pas le cas. Phase d'entretien, une carte, la lune et une ressource. Ensuite, une fatalité et une carte rencontre. Fenêtre sur un autre temps. C'est un péril, je ne dois pas parler. Révélation, vous devez choisir une option. Choisir un lieu antique et le mélanger dans le deck exploration. Le lieu contemporain au-dessous le remplace. Passer une fatalité sur l'intrigue en cours, cet effet peut faire avancer l'intrigue en cours. Eh bien, je place une fatalité sur l'intrigue en cours. Je perds un tour. Non, je ne vais pas faire ça. Je vais mélanger ce lieu parce qu'en fait, on a deux indices dessus. Donc, ça ne m'arrange pas. Oui, mais les indices passent en dessous. Ça n'efface pas les indices. Donc je fais bien ça. Je rajoute une fatalité. Ensuite, trois actions. Alors. D'abord, loup solitaire. Ensuite, deuxième action, je prends une petite faveur. Et troisième action, je retire une carte. Le monde peint. À jouer. Phase d'entretien, le monde peint et une ressource. Alors, une fatalité, nous sommes à 6 plus 1, 7. Donc, si je ne tue pas l'autre ennemi à ce tour-là, c'en est fini de cette intrigue. Et une carte rencontre. Déstabilisation temporelle. Effectuer un test de volonté à 1, plus 1 pour chaque lieu antique. Donc il y a deux lieux antiques en jeu, donc c'est un test à 3. Et j'ai 4 en volonté. Donc je vais jouer un exemplaire du monde peint pour avoir un plus 2. Quoique. Non. Je garde mon monde peint. Et donc je n'ai que plus 1. 4 contre 3. Jeton crâne. Moins 1. Moins 3 à la place si vous êtes dans un lieu antique. Grâce à mes bougies rituelles, ça fait donc moins 2. Eh bien, c'est raté. Je subis donc un dégât et une horreur. Et je remélange déstabilisation temporelle dans le deck. Rencontre.
Voilà, ça c'est fait. Et je vais pouvoir jouer mes trois actions. Donc, première action, je me déplace ici et j'engage la main de la fraternité. Donc je vais prendre connaissance du lieu. Xochimilco. Une petite embarcation de bois rebondit contre la rive du canal, ondulant lentement au fil de l'eau. Non loin de là, ployant sous la brise légère, un genévrier émerge de l'eau peu profonde. Quatre de valeur occulte. Qu'est-ce que je fais? Oui, c'est ça, quatre de valeur occulte. Tant que vous êtes dans un lieu Xochimilco, vous ne pouvez pas gagner de ressources. Aïe. Donc mon loup solitaire ne va me servir à rien. Dépenser trois ressources, explorer, piocher la carte du dessus du deck exploration, si c'est un lieu avec un symbole identique, dans le coin en haut à gauche, placez-le sur ce lieu et le remplace, comme d'habitude. Ensuite, deuxième action, eh bien, je vais jouer une petite faveur. C'est la première fois que la carte me sert. Infliger. Ah non, mais j'ai pas les quatre. Je ne peux infliger qu'un seul dégât. Alors ça m'arrange pas du tout. Je n'ai pas les quatre. Je vais vérifier si j'ai bien pris mon loup solitaire, j'ai un doute. Alors, après consultation de l'arbitrage vidéo, je n'ai pas pris ma ressource loup solitaire, ce qui m'amène aux quatre ressources dont j'ai besoin pour jouer une petite faveur. Le problème, c'est que je ne vais pas avoir les trois ressources nécessaires après pour faire l'action exploration. Donc ça m'embête beaucoup. Est-ce que je tente Allez, je fais ça. Donc je dépense une petite faveur. Et quand je joue une petite faveur, j'augmente de 2 son coût. J'inflige 2 dégâts au lieu de 1. Donc ça me coûte 4. C'est cher quand même, hein, mais il n'y a pas de test. Donc on est sûr d'y arriver. Et voilà. Ça, c'était ma deuxième action. Et troisième action, je me déplace sur Zocalo. Grand bâtiment d'administration, c'est une mer de sang rouge autour. Devant vous s'étend la principale place de Mexico qui était autrefois le centre religieux de Tenochtitlan. Des éclairs argentés percent les nuages orageux et vous constatez avec effroi qu'une marée de sang envahit la place. La ville entière semble étrangement déserte. Alors, trois de valeur occulte. Pour une action, défausser des cartes de votre main pour un coût total d'au moins 5. Explorer, piocher la carte du dessus du deck exploration si c'est un lieu avec un symbole identique qui le remplace, etc., etc. Alors, j'ai fait une petite erreur ici. Je pensais au lieu, donc j'ai oublié de modifier. Vous voyez, on fait les erreurs assez rapidement. Donc, je peux aller. Si je le voulais, sur les ruines du temple. Donc j'ai fait mes trois actions, mais je vais pouvoir faire peut-être une action gratuite. Non, parce que je n'ai pas 5 en coût, je n'ai que 3. Les monts de pin n'ont aucun coût. C'est fâcheux. Phase d'entretien. Je tire une carte. Le Saint-Rosaire et une ressource. Ensuite, une fatalité. Je suis à 7. Et
Une carte. Encore. Je devrais tout tirer, hein. Déstabilisation temporelle. Donc un test de volonté à 1 plus 1 par lieu antique découvert. Donc c'est toujours un test de volonté à 3. Eh bien, je vais pas jouer de cartes. Est-ce que je joue un mont de pain? Allez, je vais jouer un mont de pain. Ce qui me donne un bonus de 2 en volonté. Je passe à 6 contre 3. Moins 2, c'est réussi. Trois actions. Loup solitaire d'abord. Et ensuite, je vais défausser pour 5. Donc je défausse la lune et le saint rosaire. Pour en premier, faire l'action gratuite grâce au journal de l'expédition et explorer. Le Templo Mayor, ce n'est pas bon. La colline de Chapultepec, c'est pas bon. Le lac Xochimilco, ce n'est pas bon. Un accroc dans le temps. Effectuez un test de volonté à 3 en cas d'échec. Pour chaque point manquant, vous devez soit perdre une action, soit subir une horreur. Alors, test de volonté à 3, j'ai 4. Je vais jouer ma dernière carte, le mont de pain. Pour avoir plus 2, ce qui m'amène à 6. Moins 1, c'était réussi de toute façon. Donc ça, c'était mon action gratuite. Ensuite, j'ai mes 3 actions. Eh bien, je vais explorer à nouveau. J'ai le droit. Alors d'abord, je vais remélanger tout ça. Première action, j'explore. Ah mais non, faut que je redéfausse 5, je n'ai pas le droit. Évidemment. Ben, je vais tirer les cartes. Allez. Donc première action, je tire une carte. Un cran. Deuxième action, je tire une carte. Un sixième sens. Et troisième action, je vais prendre une ressource. À jouer. Face des ennemis, nous n'en avons pas. Phase d'entretien, une carte. Amnésie, eh bien, vaut mieux qu'elle tombe là. Je vais défausser sixième sens. Et une ressource. Ensuite, une fatalité. Donc nous sommes à 8 et je vais avancer l'intrigue. Vérifiez votre carnet de campagne. Si le héros est toujours vivant, bien qu'aucun éclair ne soit visible, un coup de tonnerre retentit dans le ciel en vous faisant sursauter. Comme attiré par le son, une série d'éclairs argentés surgit des nuages, déchirant le monde devant vous. De cette brèche émerge une créature que vous ne reconnaissez que trop bien. Elle siffle de colère et lève ses piques dorées pour vous attaquer. Cherchez le héros de Valuvia dans la collection et générez-le dans le lieu le plus éloigné de tous les investigateurs. S'il y a au moins 6 traits sous la mention colère de Higg, et c'est bien le cas, j'en ai 13, dans votre cas de campagne, il entre en jeu dans le lieu de l'investigateur principal à la place. Il entre en jeu avec un montant de dégâts égal à celui, entre parenthèses, dans votre carnet de campagne. C'est-à-dire 0 pour moi et l'heureux héros de Valusia. Le voici. Il est très méchant. 5 points de vengeance, 2 dégâts, 2 horreurs mentales.
Alerte, chasseur et riposte. Humanoïde, monstre, serpent et élite. Le héros de Velvia peut riposter même s'il est incliné. Forcé, après avoir attaché avec succès le héros de Velvia, attaqué avec succès le héros de Velvia ou après lui avoir échappé avec succès, placer une ressource sur lui. S'il y a deux ressources par investigateur sur lui, il disparaît dans un sifflement sinistre. Mettez-le de côté hors jeu, il conserve ses pions dégâts. Donc il entre en jeu avec moi. Et je vais lire l'intrigue suivante. La barrière est mince. Les forces d'Ishtaka continuent de décliner tandis que se poursuit votre voyage à travers cette étrange vision. Vous ne l'avez jamais vue si troublée. Elle est souvent distraite et observe les alentours comme si la réponse allait soudain apparaître devant elle. De temps en temps, elle murmure pour elle-même des propos étranges. Comment cela a-t-il pu se produire? La réponse sera avec les anciens. Quelqu'un d'autre est là, je le sais. Nous avons seulement 5 tours. Et voilà. Ça, je le défausse et je tire une carte rencontre. Aïe. Un gardien Esli. N'importe quel lieu vide, il est généré dans un lieu antique si possible. Forcé, quand les ennemis attaquent lors de la phase des ennemis, si le gardien Esli est redressé d'en engager, il attaque chaque investigateur dans un lieu connexe. Le secret doit être gardé. Je vais évidemment le mettre ici. C'est un lieu antique. Alors, phase d'investigation. Donc je dois me débarrasser de cette bestiole. Donc il a des points de vengeance. Donc j'ai plus 2 en agilité quand je tente d'échapper à un ennemi avec des points de vengeance. Donc je me retrouve à 6 en agilité contre 3. Je pense que je peux arriver à lui échapper à ce tour-là. Donc d'abord je fais mon loup solitaire. Ensuite, je tente de lui échapper une première fois au héros de Velvia. Moins 1. Je lui échappe. C'est des ressources. Joli fluff. Deuxième action. Je tente de lui échapper à nouveau. Moins 3. Donc 6 moins 3 égale 3. C'est bon. Et le héros de Velvia disparaît dans un sifflement de colère. Hop. Et voilà, terminé pour l'héros de Velvia. Il retourne dans sa boîte. Il me reste une action. Une première action. Il me reste une action. Alors, je vais tenter d'aller au bout de mon deck. Donc, je vais tirer une carte. Tout ça pour les bois sacrés, en fait. L'imperméable. À jouer. Phase d'entretien. Aïe. Prenez un événement au hasard, ça c'est ma faiblesse. Étoile des Yad. Retirez-le de la partie. Donc j'ai toujours 4 cartes là-dedans. Je prends la carte du dessus. Ce sera le sort de protection qui saute. Voilà. Et j'ai combien de cartes là-dedans? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai quand même pas de chance. Si votre deck contient au moins 5 cartes, mélangez étoile des Yad dans votre deck au lieu de le défausser. J'ai quand même pas de bol.
et une ressource. Ensuite, face des ennemis, donc lui n'est pas chasseur, ça ne bouge pas. Une carte, suggestion et une ressource. J'ai pris ma ressource. Qu'est-ce que j'ai déjà fait ma phase d'entretien? Excusez-moi, c'est une erreur. Je la remets sur le dessus. Donc là, on place une fatalité et une carte rencontre. Oula, qu'est-ce que c'est ça? Une pluie de flèches. Révélation, subissez un dégât plus un dégât allié supplémentaire pour chaque soutien allié que vous contrôlez. Chaque autre investigateur dans un lieu hautique doit également résoudre cet effet. Vous vous retrouvez pris sous une pluie de flèches à pointe d'obsidienne tirée par des assaillants invisibles. Une injonction à quitter cet endroit sans tarder. Alors, un dégât plus. J'ai un soutien allié, donc ça fait deux dégâts. Bon, c'est pas trop méchant. Je mets les deux dégâts, un sur Ishtaka et un sur Séphina. Trois actions. Loup solitaire. Un, je me déplace. Et deux. Je dépense 3 ressources pour explorer. C'est une action gratuite grâce à mon journal. Le lac, eh ben c'est bon. Le lac Xochimilco. Donc 2 de valeur occulte et 1 indice. Forcé, après l'entrée en jeu du lac Xochimilco, chaque investigateur dans ce lieu perd toutes ses actions restantes. Oh, c'est pas vrai. Tant que vous enquêtez dans le lac Xochimilco, il gagne plus de 2 valeurs occultes pour chaque action qu'il vous reste. Donc je perds 2 actions. Je suis très content. Et bien sûr, il est phase d'entretien. Suggestion, donc. Et une ressource. Non. Je ne peux pas gagner de ressources dans ce lieu. Ah ben non, il est recouvert. Donc je gagne bien ma ressource. Ensuite, une fatalité. Et une carte rencontre. Un accro dans le temps. Nous avons conceptualisé le temps comme s'il s'agissait d'une ligne droite allant vers l'avant d'un point à l'autre. La réalité est quelque peu différente. Un test de volonté à 3 en cas d'échec pour chaque point manquant. Vous devez soit perdre une action, soit subir une horreur. Alors, eh bien, je vais jouer mon cran, c'est le moment. Je vais jouer mon cran. Donc ça m'amène à 6 en volonté. 6 contre 3. Moins 1, c'est réussi. Je défausse la carte et je tire une carte sur mon cran. L'imperméable. Trois actions. Eh bien, je vais incliner outil de crochetage et enquêter. Alors, est-ce que ça vaut pas le coup que je fasse une action avant? Tant que vous enquêtez dans le lac Suxitan, il gagne plus de 2 valeurs occultes pour chaque action qu'il vous reste. Donc, en première action, c'est pas conseillé, quand même. Ça serait même franchement ballot. Alors. Eh bien, je vais, pour une action, prendre une carte.
dextérité. Deuxième action, je reprends une carte. L'étoile des Yad. Donc bah, ça on connaît. Donc il ne me reste que trois cartes dedans. Je peux la défausser. Alors elle est bien défaussée, non retirée du jeu. C'est-à-dire qu'elle peut encore revenir. Et je choisis un événement au hasard sous Séphina à défausser. Ça sera l'attaque par surprise. Ensuite, dernière action, j'incline l'outil de crochetage et je fais mon test d'agilité. Donc je gagne plus 1 d'agilité grâce à Ishtaka, ce qui me donne un total de 5. Donc 5 plus 2 d'intelligence, ça fait 7. Je n'ai plus d'action. Donc 7 contre 2. Il n'y a que l'échec automatique. Jeton crâne, jeton cultiste, révéler un autre pion. KO. Ça, c'est quoi? C'est moins 4. En cas d'échec, placez un indice, prenez une réserve de pion sur le lieu antique le plus proche. Donc 7 moins 4 égale 3, c'est réussi quand même, mais par contre je suis obligé de défausser une provision d'outils de crochetage. Car j'ai pas réussi avec 2 ou plus. Je prends l'indice. À jouer. Phase d'entretien, je redresse une carte, un cran et une ressource. Ensuite, une fatalité et une carte rencontre. Aïe, ah, qu'est-ce que c'est ça? Un serpent de Technoclitan. N'a pas l'air amical. Un point de victoire et un point de vengeance. Humanoïde, monstre et serpent. Tant que le serpent de Technoclitan est dans un lieu antique avec des indices dessus, il gagne riposte et alerte, sinon il gagne chasseur. Forcé, après que le serpent de Technoclitan vous ait infligé des dégâts de son attaque, si vous n'êtes pas empoisonné, mettez en jeu dans votre zone de menace une faiblesse empoisonnée mise de côté. Aïe. Donc 5 points de vie, je risque pas de le tuer, je pense. Trois actions. Pour Tsefina. Alors, je vais le tenter de lui échapper. Donc je lui échappe à 4 d'agilité plus 2 d'Ishtaka, car il a des points de vengeance, ce qui me donne un total de 6 contre 3. Est-ce que je joue une carte dextérité ou non? Ben, je vais jouer ma dextérité, absolument. Donc, ce qui m'amène à 8 contre 3, avec l'échec automatique. Que je n'ai pas tiré encore. Crâne, moins 1 et moins 3 si je suis dans un lieu antique, c'est le cas. C'est échappé. Il me reste deux actions. Je tire une carte parce que j'ai réussi mon cran. Léo des Lucas, que je pourrais jouer, tiens. Ça me donnera l'action supplémentaire, donc autant le faire. Il n'y a pas de raison. Donc deuxième action, je joue Léo des Lucas, j'ai charisme. 3 et 6. Ce qui me donne une action supplémentaire, donc il m'en reste 2.
C'est dommage. Il m'en reste deux. Donc pour une action, je me déplace ici. Et en deuxième action, je vais prendre une ressource. À jouer. Les ennemis, ça ne bouge pas. Phase d'entretien, on redresse le monde. Et on tire une carte. Donc je n'ai plus de carte dans mon deck. Donc précision utile des règles du jeu, vous devez remélanger votre deck quand vous avez besoin de repiocher. Pour l'instant, il est vide. Et une ressource. Une fatalité et une carte rencontre. Poison insidieux, renfort. Chaque investigateur qui est empoisonné subit un dégât. Des veines noires rampent sous sa peau, palpitant à chaque battement de son cœur, ça ne sera plus très long. Je ne suis pas empoisonné, pour l'instant du moins. Une main de la fraternité, n'importe quel lieu vide. Aïe, alors ça, c'est pas bon. Après que le dernier indice d'un lieu antique a été découvert, si la main de la fraternité est redressée, placez une fatalité sur la main de la fraternité. Tant que la main de la fraternité est redressée, les capacités. Aïe, alors ça, c'est pas bon du tout pour moi. N'importe quel lieu vide, je ne suis pas obligé de le mettre dans un lieu antique. Donc ça, c'est important, puisque toutes les actions et réactions des lieux avoisinants sont neutralisées. Donc ça ne m'arrange pas, je vais le mettre là. De toute façon, je pense que je n'aurai que trois lieux, ce qui est déjà pas mal. Allez, une action. Je n'ai plus de cartes dans mon deck, donc je peux faire l'action des bois sacrés. Si vous n'avez plus de cartes dans votre deck, découvrez tous les indices dans les bois sacrés. Ça, c'est fait. Donc je place une fatalité ici. Il me reste trois actions. Une, deux, je peux peut-être arriver à l'incliner. Ben oui, je vais le tenter. Ouais, mais c'est pareil. Si je l'incline, c'est pas pour ça. Alors, je ne vais pas le mettre là, je vais le mettre ici. Je vais m'autoriser cette petite. Ah, mais non. Si je le mets là, je ne peux pas utiliser l'action des bois sacrés. Donc, le problème est le même. Bon, bah, pour une action, je me déplace dans les ruines du temple. J'aurais fait toute la carte ou presque. Hein. Il me manque que la cathédrale. Les ruines du temple. Bien que l'emplacement exact du temple principal de Teknokitan ne soit pas encore connu, des fouilles ont commencé pour mettre à jour les ruines des nombreux monuments qui jalonnaient jadis cette région. Quatre de valeurs occultes. Explorer, piocher pour deux actions, explorer, piocher la carte du dessus du deck exploration, si c'est un lieu, etc. Placez-le en jeu. Ben ça m'intéresse. Donc il me reste deux actions et je ne vais en consommer qu'une puisque j'ai le journal de l'expédition qui me rapporte une action. Donc je ne consomme qu'une pour explorer. Les bois sacrés, c'est pas bon. Le lac Shumiko, c'est pas bon. Le temple de Teknokitan, c'est pas bon.
Templo Mayor, c'est bon. Alors, après l'entrée en jeu du Templo Mayor, mélangez la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre. Défaussez des cartes du dessus du deck se rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi serpent soit défaussé. Générez cet ennemi ici. Après avoir vaincu ou échappé à un ennemi serpent dans ce lieu, découvrez un indice dans ce lieu. Limite collective d'une fois par phase. Ben ça, c'est intéressant. C'est super intéressant. Il me reste une action. Fantastique. Pour une fois que ça se goupille bien. Alors, un indice ici. Je mélange la défausse de rencontre. Alors, on n'a plus de fond sonore, mais comme on n'est pas loin de la fin de la partie, je vais laisser tel quel. Allez. Alors, on va se mettre là. 1, 2. Serpent, non, 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 non. Il y a énormément de serpents dans ce deck. J'ai pas d'autres serpents. Tiens, c'est curieux. Donc il y avait le serpent de Technoclitan, mais c'est tout, hein. Je vais vérifier une fois. Je n'ai pas d'autres serpents. Petite vérification au niveau du. Maintenant, je ne me suis pas trompé au niveau de la mise en place. Si je n'ai qu'un seul serpent en jeu, c'est le serpent de Technoclitan. Donc là, je ne vais pas pouvoir faire l'effet. Peut-être une erreur de ma part. À voir. Ce qui m'arrange pas tellement en fait, hein, puisque l'échappement était plus rapide pour moi. J'ai bien vérifié les decks de rencontre. Je n'en ai pas oublié. Les sets de rencontre, je veux dire. Bon. Eh bien, que voulez-vous, on va terminer comme ça, vu que c'est peut-être une erreur en ma défaveur, mais bon. Alors, dernière action, eh bien, je vais enquêter. Je vais enquêter en utilisant outil de crochetage. J'ai donc 4 plus 1, 5. De toute façon, il me reste deux actions en tout. Hein. Première action, j'ai pris l'ensemble des indices. Deuxième action, je me suis déplacé. Action gratuite, j'ai exploré. Et deuxième et troisième et quatrième action, il me reste deux actions. Donc, bon, première, crochetage. Donc, bah, je vais jouer le tout pour le tout, mais je n'ai pas d'icône. Bah, si, j'ai des icônes. Je vais jouer un cran. Ce qui m'amène à 9. Pas besoin de jouer plus. Ce qui m'amène à 9 contre 4. Ouais, pas besoin de jouer plus. Moins 1, c'est réussi. J'ai le dernier indice. Et puis il me reste une action. Donc je tire une carte pour la bonne forme. Et la partie va se terminer. Pour la bonne forme, je rajoute une fatalité sur la main de la fraternité.
Et je tire une carte. Suggestion. Et puis dernière action, bah, je vais prendre une ressource. D'ailleurs, je me demande si j'avais mis mon loup solitaire, je ne crois pas, mais ça n'a pas d'importance. Alors. J'ai un petit doute au niveau du nombre d'actions. Non, c'est bon. Ok. Une fatalité. Donc on est à 5 et on avance malheureusement. Les éclairs argentés deviennent de plus en plus fréquents et le ciel commence à s'ouvrir. Le tonnerre gronde au loin et vous voyez les horizons des deux villes, l'actuelle et celle du passé, être dévorées par une immense gueule de pierre. Six piliers brillants entourent l'ouverture caverneuse d'où s'échappe une lueur rougeoyante. Et le sol se met à trembler avec l'intensité d'un séisme. Nous en avons assez vu. Nous devons sortir d'ici dès que possible, lance Ishtaka. Pour la première fois depuis votre rencontre, vous entendez la peur dans sa voix. Prenez chaque lieu technoquitant en jeu sans indice dessus. Ajoutez ces lieux à la pile de victoire. Ensuite, pour chaque lieu contemporain en jeu, cherchez dans le deck exploration un lieu avec un symbole identique dans le coin en haut à gauche et placez-le sur ce lieu et le remplace. Chaque investigateur perd tous ses indices. Générez Padma Amrita dans le Templo Mayor. Mais c'est là où je suis. Ça tombe mal. Retirez de la partie le deck acte en cours. Mettez en jeu l'acte 3A et l'intrigue 3A en tant qu'acte en cours et intrigue en cours. Ah. Je pensais que ça se finissait, mais en fait, non. Alors, je défausse toutes les fatalités en cours. On va faire se déplacer l'ennemi, parce que la partie n'est pas finie. Donc, je vais le faire se déplacer ici, par exemple. J'ai le choix. Ensuite, donc je prends tous les lieux antiques sans indice dessus. Donc lui, et lui, et je les mets dans la pile de victoire. Donc ce qui modifie à nouveau les configurations, mais je vais le faire après. Alors, donc je vais générer ensuite pour Zocalo et cathédrale métropolitaine un lieu. Et bien ici, ça sera le temple de Technotitan. Et ben après, ça sera les canaux de Technotitan ici. Alors, je place un indice et un indice. Et ici, je place quatre ressources dessus. Je devrais en enlever une à chaque tour. Voilà. Bon. Ensuite, je génère Padma. Alors, qui c'est Padma? La voici. Padma Amrita. Humanoïde, serpent, serviteur et élite. Alerte, riposte et chasseur. Deux points de victoire et deux points de vengeance. Tant que Padma Amrita est redressée, les indices dans chaque lieu antique ne peuvent pas être découverts. Après que Padma Amrita vous a attaqué, si vous avez au moins un indice, retournez un de vos indices pour que sa face fatalité soit visible. Sinon, subissez trois horreurs. Aïe, donc elle est engagée avec moi. Je défausse tous mes indices. Et je rajoute l'intrigue qui est ici.
Le temps s'affaisse, sa véritable nature révélée, l'ancienne rivale d'Alejandro se tient sur les marches du temple principal. Des éclairs argentés voltigent entre ses bras ouverts, une armée de cobras sifflants est enroulée autour de ses pieds. Seul l'élu peut trouver le nexus, moi seul en suis digne. Le voyage de retour. Ishtaka vous montre du doigt le temple au loin, criant pour couvrir le rugissement de l'orage. C'était elle, nous sommes coincés ici par sa faute. Elle savait tout depuis le début. D'une manière ou d'une autre, si vous voulez rentrer chez vous, vous allez devoir suivre Padma à travers la faille par laquelle elle est rentrée. Si Padma Amrita est vaincue, avancez. Si les investigateurs dans le Templo Mayor dépensent le nombre d'indices requis, avancez. Donc il nous faut deux indices pour avancer ou vaincre. Bien, alors c'est pas la vidéo d'ambiance sonore qui est arrivée au bout, il n'y a plus d'électricité ici. Mais j'arriverai quand même au bout de ce scénario, rien ne m'en empêchera. Alors, on va continuer. Donc on vient d'avancer l'intrigue, on est à la phase rencontre. Je mélange le deck rencontre et je vais tirer une carte. Alors, voici déstabilisation temporelle. Je l'aurais bien tiré celle-là. Donc un test d'agilité de volonté à 1. Et la difficulté de ce test augmente de plus 1 pour chaque lieu antique en jeu. Donc du coup, il y a deux lieux antiques en jeu. Donc je passe à 3. Je passe à 3. Donc je vais jouer une carte, ce qui m'amène à 5 en volonté. 5 en volonté contre 3. Ah. Eh bien, je vais prendre. Donc, plus 3, c'est réussi. Et je vais prendre un évité de justesse sous ces finales au saut. Alors, on défausse. L'électricité vient de revenir, bon, c'est pas grave. Je défausse ceci. Et je vais faire mes 4 actions. Alors. Si je veux les deux derniers indices, autant dire que ça va être compliqué. Je vais plutôt tenter de... Elle a quand même riposte, hein. Donc ça c'est embêtant. Après que Padmarita vous attaquez, si vous avez au moins un indice, subissez, retournez un de vos indices pour que sa face fatalité soit visible, sinon subissez 3 horreurs. Alors alerte, riposte et chasseur. Alors, première action, je vais tenter de lui échapper. Alors, j'échappe à combien? Alors, je vais plutôt jouer l'imperméable pour 3. D'ailleurs, je prends mon loup solitaire avant d'oublier. 1, 2, 3. Ce qui génère une attaque d'opportunité, mais je joue évité de justesse. C'est une carte rapide. À jouer quand un ennemi effectue une attaque d'opportunité contre vous, annulez cette attaque et vous gagnez plus 2 à mon prochain test de compétence. Voilà, donc pour l'échappement, alors est-ce qu'il vaut mieux je l'attaque avec le bonus de plus 2 ou est-ce qu'il vaut mieux. J'ai combien? Ça me fait 4.
4 et j'ai. J'ai plus 2 en lutte quand j'attaque des ennemis avec des points de victoire grâce à Ishtaka. Donc ça me ferait 4, 6. 6 contre 5, hein, c'est pas non plus. Contre 5. Allez, je tente le coup à 6 contre 5. Est-ce que je joue mon petite faveur? Mais j'ai pas envie de jouer mon petite faveur parce que je veux le jouer au coup suivant. Ah oui, mais c'est un ennemi élite, donc je vais le jouer. Je vais le jouer. Ce qui m'amène donc à 8 contre 5. Moins 1, c'est réussi. 2 dégâts. Hop. Ensuite, deuxième action, échappement. 4 plus. Est-ce qu'elle a des points de vengeance? Oui, 6. J'ai 7 en échappement contre 3. Zéro, c'est réussi, elle est échappée. Il me reste une action numéro 3 et une action numéro 4. Alors, action numéro 3, je prends attaque par derrière. Et dernière action, bah, je vais prendre une ressource, une carte, je veux dire. Bougie rituelle. Là. Ensuite. Ensuite, eh bien, c'est la fin du tour. Face des ennemis. Donc lui se déplace et m'engage et me fait des dégâts et des horreurs. Donc un dégât, une horreur que je mets sur Léo. Je tire une carte et une ressource. Ensuite, une fatalité et une carte rencontre. Pris en filature. S'il n'y a pas d'ennemi cultiste en jeu, subissez une horreur et pris en filature, gagnez renfort. Sinon, trouvez l'ennemi cultiste le plus proche de vous, placez une fatalité sur cet ennemi et effectuez un test de volonté à X, X étant la valeur de combat de cet ennemi. En cas d'échec, subissez deux horreurs, rien que ça. Donc une fatalité sur l'ennemi cultiste le plus proche, ça va être. Donc elle, elle n'est pas cultiste. Non. Donc ça sera notre ami le serpent de Technokitan. Et ensuite, il a 3 en combat. Donc je fais un test de volonté. Pour l'instant, de 4 contre 3. Et je vais jouer ceci, ce qui m'amène à 5 contre 3. Jeton au crâne, moins 1, moins 3 si je suis dans un lieu antique. Je ne suis pas dans un lieu antique, donc c'est moins 1. Donc c'est réussi. Alors, pris en filature. Voilà. Donc elle se redressait, je la reprends aussi. Donc je l'ai engagée avec 2. Donc j'ai droit à ma ressource de loup solitaire.
J'ai dû bien oublier une ou deux ressources, je pense, dans la partie, mais bon. Je crois que ça va pas être utile. Donc je vais jouer attaque par derrière. J'utilise l'agilité au lieu de la lutte et j'inflige plus de dégâts. Alors, donc notre attaque par derrière. Donc je suis à 4 plus 2 grâce à Ishtaka 6. Alors c'est pas une tentative d'échappement, c'est un combat. Donc je n'ai pas plus 2 grâce à Ishtaka. C'est plus 1 seulement. Bon, ce qui m'amène à 5. Et c'est tout pour l'instant. Donc je vais jouer. Regardez ça. 6 et l'imperméable, 7. Donc 7 contre 5. Allez, je vais jouer ça aussi, ce qui m'amène pour le moins 3, uniquement pour le moins 3, à 8 contre 5. Ça, c'est... Révèle un autre pion en cas d'échec. Si un ennemi serpent dans votre lieu, il vous attaque. Je crois que j'ai fait une erreur dans la partie. Je me suis trompé. C'est pas grave. 0, c'est réussi. C'est réussi, donc je fais 3 dégâts à Padma Amrita. Et donc elle est vaincue. 2 points de victoire et 2 points de vengeance aussi. Alors, voyons ce qu'on a. Peut-être qu'une éternité ou deux tempéreront votre absurde soif de vérité. Le rire de Padma résonne dans le ciel tandis qu'elle grimpe vers le sommet du temple. Non que cela soit vraiment important, les jours de votre espèce sur Terre sont comptés. Elle disparaît sans laisser de traces. Vous vous tournez vers Ishtaka pour lui demander que faire à présent, mais elle a disparu elle aussi. Soudain, l'orage se calme et un silence assourdissant vous entoure tout à coup. Conclusion C2. La conclusion C2. La ligne d'horizon se met à briller lorsque le chemin de retour se ferme juste sous vos yeux. Le brouillard surnaturel et la sensation d'apesanteur que vous avez ressentie durant la vision s'évanouissent et vous comprenez soudain qu'il ne s'agissait pas d'un rêve. Vous êtes piégé dans une époque qui n'est pas la vôtre et Ishtaka n'est nulle part en vue. Vous errez pendant ce qui vous semble être des heures, des jours, des semaines. Votre esprit n'en peut plus. Vous réalisez avec horreur que vous êtes peut-être coincé ici pour toujours. Le désespoir vous envahit dans un accès de folie et de solitude auquel vous ne pouvez pas échapper. Vous ne savez plus depuis combien de temps vous êtes là. Vous n'avez ni mangé ni dormi. Soudain, après une éternité d'attente, la frontière se fissure et le ciel s'emplit d'une lumière blanche et aveuglante. Quand vous rouvrez les yeux, vous gisez sur le sol de la place centrale et votre tête continue de tourner à cause de la sensation de chute. Ishtaka vous aide à vous relever. Vos jambes tremblent de terreur et de fatigue. Vous lui demandez depuis combien de temps vous avez été inconscient, mais elle secoue la tête. Cela n'a pas d'importance, vous êtes là maintenant. Vous ignorez sa réponse évasive et le ressentiment prend le dessus. Vous a-t-elle abandonné volontairement ou était-ce un accident? Vous l'avez vu, n'est-ce pas? Demande-t-elle. La grotte, la gueule dans le ciel baignée de rouge. Tout à vos souvenirs embrumés, vous regardez Ishtaka dans sa lavoir. Peu importe, poursuit-elle. Je sais où trouver le nexus et vous devez venir avec moi. Si vous étiez à l'acte 2 lorsque la partie s'est terminée, ajoutez à la pile de victoire chaque lieu technoclitant en jeu qui n'a pas d'indice sur lui. Dans votre carnet de campagne, indiquez que vous connaissez X chemin. Alors moi, j'étais à l'acte 3. Aïe, je me suis trompé de lecture de carte. Enfin, peut-être un petit montage, je ne sais pas. Ou alors on laissera les erreurs. Donc c'était cette carte-là.
Alors, si Padma Amrita a été vaincue, non, pauvre fou. Padma tombe à genoux et du sang s'écoule de ses blessures. Elle regarde Ishtaka dans les yeux d'un air suppliant. Comment as-tu pu? Elle est sur le point de dire quelque chose, mais Ishtaka la fait taire d'une flèche en pleine poitrine. Allez, dit-elle, je vous suis. Vous ravalez votre peur et sautez dans la faille. Conclusion C1. Alors, mille excuses pour ce petit misplay de dernière minute. Donc la C1, elle est ici. Vous êtes assailli par un déferlement de lumière et de couleurs lorsque vous reprenez connaissance d'un seul coup. Quand vous rouvrez les yeux, vous gisez au beau milieu de la place centrale de la ville et votre tête continue de tourner à cause de la sensation de chute. Une petite voix au fond de votre esprit vous dit que tout ça n'était rien d'autre que le fruit de votre imagination, un rêve éveillé. C'est celle de votre instinct de survie qui vous avertit de ne pas suivre la voie démente dans laquelle vous vous êtes engagé. Vous l'ignorez et vous vous redressez. Vos jambes tremblent de terreur et de fatigue. Cette femme, elle a sans doute compris qui j'étais et m'a suivi dans la brèche que j'ai ouverte. Peut-être voulait-elle également connaître l'emplacement du Nexus, déclare énigmatiquement Ishtaka. La douleur résonne sous votre crâne tandis que vous vous remémorez les événements des dernières heures. Vous l'avez vu, n'est-ce pas? La grotte. La gueule dans le ciel, baignée de rouge, poursuit-elle en scrutant le ciel. Ce doit être le chemin menant au Nexus. Vous avez du mal à vous souvenir avec précision de ce qui s'est passé de l'autre côté, mais l'image de la caverne rouge flamboie dans votre esprit. Vous confirmez à Ishtaka que vous avez également vu la grotte et lui demandez comment elle sait que cette dernière mène au Nexus. Elle tourne ses yeux injectés de sang vers vous et un léger sourire se dessine sur ses lèvres. Sur les lèvres. C'est une chose difficile, voir à travers les limites, entre les fils mêmes du temps. Peut-être êtes-vous plus important que vous n'en avez l'air, répond-elle sans réaliser l'ironie de son propos. Bien qu'elle s'en aille sans répondre à votre question, vous comprenez la réponse tacite. Dans le flou des lignes du temps brisées et des phénomènes inexpliqués, le chemin que vous avez vu est un futur que vous avez bien l'intention de voir se réaliser. Dans votre carnet de campagne, indiquez que vous connaissez X chemins. X est le nombre de lieux technoquittants dans la pile de victoire. Si X est supérieur ou égal à 3, indiquez également qu'Ishtaka vous fait confiance. Donc nous avons trouvé 4 lieux. 4 lieux. S'il est toujours en jeu ou mis de côté, précisez, entre parenthèses, le nombre de blessures sur le héros, 0 pour nous. Chaque point de vengeance dans la pile de victoire. Pour chaque point de vengeance, inscrivez un trait sous la mention colère de Yig. Donc nous, ça sera, eh bien, il y aura uniquement Padma, donc ça sera 2 supplémentaires. Je vais passer à 15, c'est beaucoup. Alors, chaque investigateur reçoit un point d'expérience supplémentaire pour chaque lieu technoclitant dans la pile de victoire. Alors. Donc je vais recevoir, puisqu'on a 4, on a 4 lieux, plus Padma, ça nous fait 6 points de victoire. 6 points de victoire, c'est pas mal. S'en tire bien. Scénario super intéressant, je trouve. Avec une mécanique très très bien trouvée. Alors, je crois que j'ai oublié un dégât. Ici, par le gardien d'île. Vous voyez, la vidéo n'est pas finie, j'ai encore le droit de trouver mes misplays. Hein. Donc, je suis certain d'avoir oublié un point de dégâts par le gardien d'île quand j'étais ici, mais j'en suis pas convaincu non plus. Je ne sais plus si j'ai. Ouais, je suis resté un tour dans ce lieu lorsque mon deck était vide. Donc, j'aurais eu un point de dégâts supplémentaire, c'est. Pas très grave. Eh bien, on va continuer avec l'interlude de l'appel de la jungle. Une fois de plus, vous partez en direction du sud en laissant derrière vous le confort de la civilisation. Il n'y a pas de temps à perdre. Le chemin vers le Nexus s'étire en terre inconnue, non loin du trajet de la dernière expédition. Vous vous retrouvez bientôt dans la jungle, cernée par toutes sortes de dangers, certains naturels, d'autres inhabituels. Lisez les sections suivantes dans l'ordre. Vérifiez votre équipement. N'importe quel investigateur doit rayer une unité d'essence de son équipement, sinon lisez
Panne sèche. Eh bien, je n'ai qu'une seule unité d'essence que j'ai dépensée au début du scénario, donc je lis panne sèche. Malheureusement, votre voiture se retrouve à court d'essence à une vingtaine de kilomètres au nord de la lisière de la forêt vierge. Pressé par le temps, vous décidez de continuer à pied plutôt que de faire demi-tour pour refaire le plein. Cela vous prend plusieurs heures et vous atteignez finalement la jungle. Quand ils piochent leur main de départ lors du prochain scénario, les investigateurs ne peuvent pas effectuer de mulligan. Ah bien, voilà quelque chose qui ne me dérangera pas. Vérifiez votre équipement. Si un investigateur possède un plan, mais j'ai toujours un plan, lisez un chemin découvert. Grâce à votre plan annoté lors de la précédente expédition, vous parvenez à vous frayer un chemin à travers la jungle sans vous perdre et atteignez votre destination par vos propres moyens. Ensuite, vérifiez votre équipement. Les investigateurs doivent rayer collectivement une unité de provision par investigateur. Sinon, on dit épuisement de vivre, ce n'est pas le cas. Vérifiez votre équipement. Donc, je ne suis pas empoisonné. Alors que vous marchez péniblement à travers la jungle luxuriante, vous passez devant les ruines d'un temple qui vous semble familier. Votre regard est attiré par une série de motifs gravés sur le mur de pierre de l'édifice. Après un examen plus approfondi, vous constatez que du lierre et de la boue séchée cachent une série de hiéroglyphes particulièrement élaborés. Vérifiez votre équipement. Si un investigateur possède une gourde, il lit les motifs gravés dans la pierre, sinon lisez secret dans la pierre. Malgré vos efforts, vous ne parvenez pas à dégager les motifs à main nue. Vous n'avez d'autre choix que de laisser ce mystère derrière vous. Vérifiez la réserve du chaos et le carnet de campagne. Si tous les points suivants sont vrais, l'investigateur principal lit la foi retrouvée. Il y a au moins deux pions cultistes dans la réserve du chaos, ce n'est pas le cas, je n'en ai qu'un personnellement. Les investigateurs ont tissé un lien avec Ishtaka, c'est vrai. Ishtaka vous fait confiance, c'est dommage. C'est dommage. Alors. Eh bien, l'aventure se poursuit. Alors, est-ce que le dernier paragraphe qui est ici. J'ai un petit doute. Est-ce que je dois lire, est-ce que ce dernier paragraphe fait partie de Foi retrouvée? J'ai un léger doute sur ce point. Bon, comme c'est le seul effet qui se trouve sous foi retrouvée, je pense que ce n'est pas à lire. Donc on continue l'aventure dans le cœur des anciens. Voilà pour ce scénario. J'étais un petit peu pressé, on va dire, un petit peu fébrile sur la fin. J'espère ne pas avoir fait trop d'erreurs. Parce qu'effectivement, par rapport à mon habitude, je me suis senti un peu fébrile sur la fin du scénario. Cette panne d'électricité, sans doute, qui m'a un peu stressé. Et j'ai dû faire peut-être des boulettes, mais enfin, a priori, pas des grosses. Donc, je suis assez content de cette réussite quand même. Ça s'est pas mal déroulé, hein. J'ai pas tiré d'échec automatique, j'ai pas tiré de moins 5. Donc dans ces cas-là, bah ça, forcément c'est plus facile. Et puis au niveau des lieux technoclitants, bah ça s'est bien passé hein, pour prendre les indices. C'était pas mal. Bon, Ishtaka a bien aidé, à la fois pour ses points de vie et ses points d'horreur, et puis pour son plus 2 en lutte contre Padma, et puis chaque échappement que j'ai fait, c'était pas mal. Bon, ce qui me surprend un petit peu, c'est lorsqu'on est accompagné d'Ishtaka, on est quand même attaqué par les pluies de flèches et par les pluies de flèches et puis bah, certains les gardiens Esli. Donc ça, c'est un petit peu surprenant. Apparemment, pour pas mettre ce set de rencontres-là, d'après la règle, il faut deux pions cultistes dans le Chaos Bag. Moi, j'en ai qu'un.
J'ai l'impression que le nombre de pions cultistes dans ce scénario représente un petit peu la confiance qu'Ishtaka a en vous. Parce que plus il y en a, plus c'est favorable pour Ishtaka. C'est un peu l'effet que ça fait. Donc, voilà pour ça. Donc le cœur des anciens. Donc, c'est un que je n'ai jamais joué pour l'instant. J'ignore si je le jouerai en solo, probablement avant la partie à deux joueurs. Il va être temps de vous laisser, de vous abandonner à vos occupations favorites, qui j'espère sont l'investigation d'Horror Arkham, le jeu de cartes, et à vous donner rendez-vous, j'espère, sur cette chaîne pour un prochain scénario. Donc, au niveau des nouveautés techniques, je vais acheter un micro pour avoir un son de meilleure qualité, parce que souvent le micro de l'iPhone, quand même, fait pas mal de bruit parasite, on va dire, respiration ou autre, qui je pense sont supprimés par un micro un peu meilleur. Et puis j'envisage une caméra supplémentaire au niveau du plateau de jeu, hein, avec une incrustation, mais ça serait dans un deuxième temps. Enfin, je prends toujours autant de plaisir à filmer ces parties d'Horror Arkham. Je suis toujours aussi intéressé par ce jeu qu'à ma première partie. Merci à vous, abonnement si vous le pouvez, et puis j'espère, si ce n'est déjà fait, et puis j'espère à bientôt sur cette chaîne. Ciao!